Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de The Paper Mario The Origami King. Et donc, on va continuer. Hop. Oh. Ok. Il n'y a rien ici. Alors. Wow. Wow. Marche. Hop. Aïe. Ok, c'est bon. Hop, hop. Hop. Marche. Oh, Kettler, je vois ce pouvoir supplié de la Terre. Son visage a fendu en deux, va savoir pourquoi, j'ai peur que ça ne fasse pas trop pâle. Là, l'esprit de l'eau, il n'a qu'un œil, non? Qu'est-ce que tout ça peut vouloir dire? Non. Ah, bah. Voleur. Un pot. Ok. Va récupérer le cœur, tiens. Un autre. Ah, on peut pas. Et mange. Ok. Bon. Hop. La torsion, on s'en fout. Encore. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'elle mange à ton ami? Je crois que c'est bon. Ça a l'air de lui plaire en tout cas. Là, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ça s'attelait à leur sens, peut-être qu'un petit cadeau leur montrer moi. Ok. C'est notre ami, il a l'orbe. Ok, y a pas de... Non! Bon. Ok. Ok, c'est bon. Hop. On a vu l'heure du commandant Todd. Quel 100% les minutes que j'ai retrouvé. Hop. Voilà. Hop. Enfin, un cœur. Hop. On a le chat. King. Hop.
Poupou. Ouais. Ah. Ouais. Hop. Hop, et voilà. J'aime rouge. Cette peur précieuse rouge appartient à l'esprit de l'eau. C'est une gemme rouge. Ça devrait appartenir à l'esprit du feu, non? Un cadeau. Du coup, ça remplit. Du coup, bah, hop. Ouais. Celui-là, nous avons reconstitué la figure de l'esprit de la Terre. Regarde son sourire réjoui. Non, dégage-toi. J'ai pas envie. Hop. Voilà dehors. Hop. Ah! LOL. Tout ça pour récupérer une pièce. Ok. Ah bah. Ça alors, c'est bizarre, il y a des têtes plaquées contre la paroi de la tour. Comment est-ce qu'ils font pour tenir dans cette position? Oula, les pauvres têtes, ils sont coincés dans des positions qui ne les mettent pas à leur avantage. Tiens, à bien les regarder, on dirait qu'ils sont collés par le ruban adhésif. Possible ça? Oh le poteau, de... je vais vous sauver. Ok. Ouais, on dirait que l'esprit du feu et l'esprit de la glace sont en train de se livrer un duel de regard. Qui remportera la victoire? L'esprit de la glace, j'ai parlé. Il a des crocs tellement intimidants. Bâton faible, ok. Ah. Ah, je peux les... je ne sais pas. Ok. Ok. Donc, sauvegarde. Hop. Ah,
Ça glitch encore. Ok. Ok. Alors. Ok, c'est bon. Hop. Alors, je suis... Voilà. Lequel? Ok. Wow. Oui. Fleur de feu brillante. Ok, hop, lui. Et... Et on peut avancer. Oh, encore ça. Ok. Allez, c'est bon. Ok, je suis tombé. Ok, alors. Ah. Hop. Voilà. On a reçu. Bloc repli 100%. Bon, m'équiper, tirer, ouais, et maintenant sur un cliff effrayant, les spies de la glace apparaissent, la victoire revient aux spies de feu.
Lol. Ok, alors. Elle ne bouge pas. Donc, c'est bon. Hop. Non, j'ai pas envie. Non, non, non. Ok. Hop. Hop. Ouais. Ok, bon, allez, du coup. Hop. Qu'est-ce que je faisais, moi, n'importe quoi. Ah! Aïe. Ok. Tu m'ennuies, toi. Oh là là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Voilà. Un cœur, sauvegarde. On monte. Et nous avons atteint le sommet, regarde un peu à quelle hauteur nous sommes. Waouh! Serpentin violet. Ouais, je regarde un peu ça, nous avons enfin trouvé le serpentin violet. Mais comment on va faire pour le détacher? Ça, c'est mystère. Ah, mais je crois qu'il y avait un bloc sauvegarde, moi. C'est pas ce que j'ai vu en haut. Ok, bon. Écoutez, hop. Eh, c'est mon territoire, j'ai. Comment ça, ton territoire? C'est toi, Mario, j'ai un message du patron pour toi. Approche un peu que je te le transmette, ok? Et toi, la gamine, origami, tu rentres gentiment à la maison, chérie, le biscuit, l'heure de te coucher. Vous coûtez les milices, les serpentins, à vous deux, c'est qu'on se ressemble, les mots, vous savez. Ça vous chiffonne, les rubans qui sont les rouges en support, c'est ça, c'est ça? Bon, moi, non, c'est que... Ouais. Je le trouve quand même drôlement agressif pour du matériel d'origami. Je suis pas agressif, je suis agressif. Vous me cherchez ou quoi? Venez un peu là que je vous en colline. Allez, du coup, c'est parti. Alors. J'ai comme l'impression qu'on va bien s'amuser. À vous deux, montrez-moi ce que vous savez faire. Ok. Alors, hop. Tac. Hop. Voilà. Frapper le dérouleur à coups de marteau pour le cacher. Ok. Ouais, il y avait plein de panneaux cachés dans le coffre. Là, vous deux, j'avais tout bien rangé. Ça vous amuse de mettre des désordres partout. Lui, il est bientôt cassé. Allez. Ok. Ce qui est très nul.
Ok. Mince. Alors, là. Je prends le coffre. Mince. Ok, alors. Non. Alors, un peu. Attends-le. Alors, je vais par là. Mon coffre. Sur quoi je me trompe? Ok. Ouais. Mince. Aïe, aïe. Il faut pas se tromper. Mince. Oui. N'importe quoi. Bon. Là, je prends un glitch. Ok. Hop. Hop. Voilà, comme ça je tape deux fois. Voilà. Alors, allez, c'est parti. Non. Suis pas tapé deux fois. Lol. Il faut que j'amène ça ici. Ok, c'est bon. Hop. Allez. Aïe. Alors. Là, je vais là. Hop. Ok, c'est bon. Normalement, c'est bon. Non, c'est pas bon. Mince.
Ah, c'est sûr, c'est bon. Voilà. Alors ensuite, il faut que je tape ici. Là. Attends. Hop. Ok, c'est bon. Hop. Et deux fois du coup. Mais bon. Je pense qu'une fois. Voilà. Waouh. Hé hé hé! Tu ne vas pas au bout de l'horloge? Bon, t'as ça peut être un potier, c'est presque le rouleur et c'est dans ma famille depuis une génération. Puisque c'est comme ça, je finis de rire, on va sortir le grand moyen. LOL. C'est vous qui m'avez poussé à recourir à cette solution tranchante. Un lieu pour bout de papier. Ouais, je crois qu'on a réussi à l'énerver pour de bon. Attention, j'arrive. Vous allez être scotché. Ouais, c'est comme l'esprit du feu. Il persépile à chaque fois que... Ok. Alors là, je vais là, je vais là, je vais là. Ok. On va te taper, hein. Par contre, attends. On prend ça. En espérant que... D'accord. Ok. D'accord. On peut l'attaquer. Alors, je vais là. Ouais. Ok. Ah, on va chercher ça tout à l'heure. Attends. Allez, suffira. Brûle. Oh, mais bien sûr, le repas ne résiste pas au feu, bien joué Mario.
Wow. On va faire appel au Todd pour récupérer un peu de lui quand même. Faire ça, je hop. Il est embêtant quand même, hein. Attends. Mais... Oh là là, mais c'est pas possible ça. Alors... Hop, hop. Mince. Oh, c'est bon. On verra, hein. Chez... Wow. Attention. Mario, c'est le moment clair. Hop. Alors, du coup. Hop. Attends, je joue là, je là. 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 Ok, bah c'est parfait. Comme ça, on récupère les supplies. Hop, faites-le facile. Je vais par là, je vais là, je vais là. Je vais là. Ok. On a clone. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Hop.
Allez. Par contre, j'ai plus de vie. Non! Heureusement que j'ai un champignon. Ok. Ah, il l'a mis dans le coffre. Cet imbécile. Mais... Un bûcheux. Bon. Oh non, putain. Ok, bon. Écoute, on va faire ça. Il tourne trop vite sur lui-même. Ah mais oui. Ah, c'est pas grave, tant pis. Écoutez. La flamme, il fallait faire. Ok. Allez. Allez, ça c'est bon. Hop. Voilà. Hop. Attrapé. Soulevé. Comme tout à l'heure. Je me suis frappé mon temps avec. Ouais, j'ai mal, ça fait trop mal. J'ai compris la leçon. C'est pour mieux, je collerai plus personne nulle part. Pas trop dit, faites quelque chose, je suis perdu. Je suis. Ah! Du coup, hop, nous avons battu le rouleau de scotch. Enfin, l'adhésif. Plutôt. Ouf, on va pouvoir s'occuper du serpentin maintenant, Mario. Tu sais ce que te reste à faire. Allez, c'est parti du coup. Et voilà, du coup. Youhou! Il reste plus qu'un seul serpentin vert. Ouais! Serpentin vert retiré. Oh, le sac de conflit l'augmente. Mode le conflit au commenté. Oh, il ne reste plus qu'un seul serpentin à retirer.
Je me demande où il est d'ailleurs. On ne l'a pas vu encore. On ne l'a pas encore vu ici. On ne sait même pas de quelle couleur il est. On s'est occupé du rouge, du bleu, du... Hein? Ne me dis pas que ce serpentin vert, c'est là depuis le début quand même. Je m'en souviens plus. Pensons, il monte encore. Non. Il monte toujours. Ce serpentin va encore plus haut que les nuages. Mais comment est-ce qu'on va faire pour le suivre jusque tout là-haut, là-haut? Je ne peux pas sauter si haut. Et tu as beau être fort en saut. C'est trop pour toi aussi. Il y a peut-être un indice sur la marche à suivre dans le coin. Qui sait, on a le droit de rêver. Et peut-être... Quatre lumières repliées en une seule pointe. On la voit du parler. Ok. Bon ben, je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!